Je pense devant les tours du CAC 40, une masse de gilets jaunes comme ça, l'image, ils n'en ont pas tellement envie. Tous les gros patrons là. Ouais, il va se faire chier. Chier, hein, rassemblement dans le quartier d'affaires de la Défense. Avec la ah non, non, bah non, il y en a plein. Il y en a plein de Valois, il y en a plein de Bebois, il y en a plein de Bebois. Oui, bah oui, il y en a plein. Un peu. Justement, cœur défense. Voilà la famille de retour sur la défense. Le CAC 40, on arrive. Comment tu la vois la fin, Kamel? Pour l'occasion, j'ai mis la cravate pour aller à la défense. Un trader gilet jaune, on a mis la cravate. Attends, la défense quand même. Ouais, ça va. Hé, mamie, fais coucou. Coucou. Attends, je te vois pas. Attends, t'es là. Salut, mamie. Ça va, mamie? Bon. Vous avez tous reconnu Mamie Marie, la belle gosse de la manifestation. Ouais, ma chérie. Hein? C'est ton anniversaire, Marie? Non. Ma chérie. Oh. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marie. Joyeux anniversaire. Encore une fois. Pour Marie, gilet jaune, quel est votre métier? Pour Marie, gilet jaune, quel est votre métier? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marie. Joyeux anniversaire. Ouais. Eh hey Marie, t'en auras jamais eu un comme ça. Et pour un monde meilleur, on est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. L'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oh, l'honneur des travailleurs et pour un monde. Nous, on est là. Plus fort. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. On est là. CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou. On est là. Miaou, 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 miaou. CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Révolution. 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 Eh,
La chance, c'est comme le Tour de France. On l'attend des heures, ça passe en quelques secondes. Anti-capitaliste. Vue d'ensemble de la défense. Oh pardon. Ça sent le pognon, on arrive les gars. Voilà, là il y a l'argent là-haut, là, là, partout là. Vous voyez là? Là il est l'argent. Là sont les impôts qui devraient être payés, non pas nous faire les fonds de poche. Nous racler. Le pognon. Voilà le pognon, il est. Ouais, le pognon, il est là. Voilà. Là sont les traders. Ah, Total. Quand est-ce qu'ils vont payer des impôts, Total? Il est là, le pognon. Ah là, le pognon, il est où? Ah, fiducial. Il est là, le pognon, papy, regarde. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Eh hey mec, c'est pas la classe hein. Eh lui aussi il a mis la cravate. Attends. Eh en même temps on va. Eh hey, maintenant on est des traders, on va à la défense. Hein, hein. Faut respecter quand même. Hein. La classe. Ça s'appelle la classe à Dallas. À toi aussi. Eh hey Thibaut, c'est là, ça sent le pognon là. Regarde. Il est là le pognon. Allez. Ouais, Thibaut, hey, Thibaut il a pris du galon. Hein. Ouais. Hey. Une pute à la télé, tout va bien. Oh là là, Eh, hey, viens si tu veux, viens. Attention, je suis un yellow block. Attention. Ah, hey. Voilà, on s'est mis à la chapelle, on a essayé de faire le maximum, voilà. Sur 6 km de cortège. Mais tu sais bien, qu'on était 400. Oui. Non, à la manif juste ici. Non, pardon, 200. J'ai exagéré, je vais marcher en même temps. Mais ils étaient 200. J'ai vu un mec qui a couru derrière moi. J'étais starré, je me dis, putain, je me suis trompé de manif. Ils étaient 200. On vient dénoncer la justice fiscale. Là sont ceux qui devraient payer les impôts. Du moins la totalité. Parce que eux ils ont des lois de leur côté de défiscalisation, de niche fiscale. Et puis là on vient dénoncer quoi ici? Et plus t'en gagnes en France, moins t'en payes. Et moins t'en gagnes, plus tu rates. Voilà, il est là le premier. Bah ouais. Exactement. C'est eux les copains Macron, c'est eux qui gèrent le monde aujourd'hui. Hein. À nous de reprendre le pouvoir. C'est marrant parce que là, tu es très nombreux. Est-ce que tu es Non, je suis. Tout va bien. On n'est pas des violons, nous. On est des gens en colère. Le chien. Le mort. Ah, c'est lui qui nous ment. Ah oui, il nous ment. Et pourquoi il nous ment? Parce qu'on donne de la voix. Ah, pardon. Les voix, ils les prennent quand on doit les voter. Et une fois qu'on a voté, ils nous entendent plus nos voix. Tu vois ce que je veux dire? Une fois tous les 5 ans, ils sont attendus. Voilà, non, mais en fin de compte, tu votes pour juste avoir le droit de la fermer. Et là, ils entendent nos voix. Et là, ils sont pas habitués, ils sont un peu décontenancés. Donc, ils envoient les CRS, quel est votre métier? Miaou! Voilà. Tu crois que t'es le roi de la punchline ou quoi? Jérôme! Je candidatais, mais bon. Jérôme, la radio chilienne. Attends, j'arrive, ma chérie. Mais juste une dernière question, après je vais le problème, c'est que on arrive le samedi, il y a peu de travailleurs, enfin, il y a peu de gens liés à ce milieu d'agence qui travaillent aujourd'hui. C'est pas grave, on a les images. Voilà, on est là. Mais est-ce que on va pas chercher la petite bête. Est-ce que justement le fait de manifester comme ça tous les samedis, est-ce que ça devient pas redondant? Est-ce qu'il y a d'autres formes de... Écoute, Thibaut, depuis que je suis gamin, tous les mouvements sociaux se passent dans la rue par des manifestations. Alors oui, ça dure plus longtemps que prévu. On est d'accord, mais ça se passe comme ça. Si on rentre à la maison, on restera plus visible. Ou beaucoup moins. Ils ont dégagé les ronds-points, ils ont coupé des têtes. Ils arrêtent tout le monde à tourner droit, on peut plus passer un t-shirt jaune. On fait quoi? Faut qu'on soit là, faut qu'on soit massif. Et tous ceux qui se sont concernés par ce qu'on revendique et ce qu'aujourd'hui sur lequel on porte nos voix, rejoignez-nous.
D'accord ? Parce que je vais vous dire juste un truc et je finirai là-dessus. Ah bah réveillez-vous, voilà. Les gars, on parce que bientôt, vous nous taxez le sommeil. Allez, regardez ça. Réveillez-vous. Ah, c'est là, j'ai le cœur. Sur Rodriguez, s'il vous plaît. Sur Rodriguez, s'il vous plaît. Vas-y, peut-être. 1, 2, 3, merci à toi. Regarde la bouche, regarde la bouche. Jérôme, la radio chilienne est en train de faire un petit interview. Ok, attends, là, on arrive. Elle est là. Attends, deux minutes. Police nationale, police du capital. Ah, comité d'accueil, les gars. Justice, non, si, mais là, parce que là, ils sont nombreux. Voilà, donc ça, c'est la police qui protège l'argent. Voilà. Voilà où il est le poignon. Je vous fais un petit tour de la défense. Hein. Voilà. Hélicoptère pour protéger l'argent là-haut. Hein, ça, vous pouvez partager. Voilà, on est bien à la défense. Et là, on a les sbires qui protègent la finance. Voilà. Ça, c'est les sbires qui protègent la finance. On voit pas leur numéro. On voit pas leur numéro. On n'a pas l'air de voir. Voilà, là, il y a un LBD, mais il n'y a pas de caméra. Voilà. Une dame porte un LBD, mais elle n'a pas de caméra. Voilà, vous voyez les LBD sans caméra, ça vous le verrez pas à la télé. Hein. LBD sans caméra, les numéros sont enlevés une fois de plus. Ah non, il y en a un quand même qui a son numéro. Voilà. Donc ils viennent protéger le monde de la finance, le monde de l'argent que vous voyez là-haut. Ah, il y en a qui protègent la pelouse, regardez. Vous voyez ? Ouais, j'arrive. Deux minutes. Voilà, là, ils protègent la pelouse. Vous voyez, hein, donc la police est là pour protéger la pelouse. Faites partager le live. Hein, ils protègent la pelouse. Ouais, ils protègent la pelouse. Marche pas dessus, tu vas prendre 135 euros, malheureusement. Ah ouais. Ils sont fous, hein. Hop, j'ai touché l'herbe. Voilà, 135 euros pour la pelouse. Oh, je vais faire le fou. Oh mon Dieu, j'ai fait le fou, putain. Il a marché sur la pelouse, Jérôme. Voilà. Eh, hey, tu vas prendre 135 euros, garçon. Le policier va te mater, regarde. T'as marché sur la... Ah, t'es un fou. Ah mais t'es fou, c'est eux, ils vont te mettre un coup de LBD dans la gueule si tu marches sur la pelouse. Voilà, donc hein, et pour ceux qui connaissaient pas la défense, on y est. Voilà. Donc elle est où, madame la chilienne? Hola, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué vamos a la défense? Voilà. On est là, on est donc, toujours là. Je voulais savoir, quel est votre avis de cette 21e jour, week-end des manifestations? Non, plus c'est pour les enfants. Donc, c'est leur mère. Pour les plus riches, là, comme tu vois. Donc, carrément faussé, il peut mettre dans le sens et la direction. Donc, il voit la direction. Eh, hey, y'a de la racaille, les gars! Eh, hey, vous avez vu les flics qui protègent les pelouses? Y'a un mec qui met un pied dessus, c'est 135 balles ou LBD. Hein, oh, ouais. Moi, j'annonce. Eh, hey, on est à la défense, mec. Eh, ouais. Hey. Oh, vous venez. Moi, j'ai mis une chemise. Ah, on est là, on rebondit pas, on rebondit pas. Voilà. Bon, ça va la famille ou quoi? Putain, là, essaye, les mecs, ils ont marché. Hey, les mecs, ils ont marché 20 bornes, ils s'assoient quoi. Non, mais. Oh, les petits joueurs. Moi, hey, moi je me fais. Ah non, non. Non, je m'assois pas, j'ai un after manif qui m'attend, je vais faire 6 bornes, d'accord? Tu as bloqué ton compteur? Lequel? Eh, hey, tu fais un live? Ouais. T'as combien de personnes? Combien? Eh, hey, venez chez moi, les gars, venez, on est plusieurs. La fête est plus grande. Eh, je suis là. On va se faire un petit after manif, 10 bornes comme ça, t'es chaud? Ouais, bon homme. Ah si, je vends des piles, je suis bien. Ouais, je sais, mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le dire. Non, ils protègent les banques et les pelouses. Ça va? Tranquille?
Hey, on est à la défense, trader. Mais cadeau, hein? Moi je suis, comment on appelle ça là, le dress code. Enchanté. Hein? Bah non. Toi tu rentres pas, t'es de basket. Bon, ça a été. Attends, je vais juste filmer les keufs devant la... Alors, messieurs les plus riches, ne vous inquiétez pas, votre argent est bien gardé aujourd'hui. Donc à défaut de protéger le gouvernement, il protège les banques. Voilà. Donc, amis de la finance, riches amis que vous êtes, ne vous inquiétez pas, votre argent est entre de bonnes mains, protégé par des LBD. Le premier qui fait un retrait, il prend un coup dans la gueule. Hein. Moi, je vous le dis, les gars. Donc ça, c'est réservé aux riches. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ton trépied? Ça va? Moi, je suis le Globe 777 sur YouTube. Le Globe 777 sur YouTube? En direct sur YouTube. Non. T'as des followers? J'en ai. Je peux les inviter chez moi? Je crois que j'en ai moins que toi. On est 10 000, c'est tout. Ouais, hey, on est en petit comité, on est 10 000. Il y a des gilets jaunes. Donc c'est quoi ton site? Ah ouais, 10 000. C'est le Globe 777. Et ça parle de quoi en règle générale? Je contrôle la fabrique d'opinion. En général, mon credo, c'est vraiment que... T'es une contestataire? Ouais. Bon, bah voilà, Globe 777. En vrai, c'est que la vérité soit devenue un mensonge et que le mensonge soit devenu vérité. C'est ça qui me gêne le plus dans la société. Mais pas que. Okay. Les greniers à blé, okay, les mecs qui créent la famine... Il y a un numéro de téléphone, je ne le mets pas sur le live. À cause d'eux, en fait, en gros, il y a des étrangers qui débarquent et eux, ils disent eh ben, c'est raciste. T'as montré sur YouTube. On voit un petit peu la fabrique d'opinion, on nous dit qu'est-ce qu'il faut penser, comment il faut être. Et ça, ça me gêne énormément. T'as montré sur YouTube que les riches soient tranquilles, on protège leur argent, là? Ouais, je l'ai montré, la BNP. De toute façon, ça, ils savent. Deux minutes. Non, non, mais pas deux minutes. 30 secondes. Vous pensez que l'argent n'est plus dans la banque? De toute manière, l'argent, c'est devenu des chiffres électroniques. Et tous les données qu'il a ramassées. T'inquiète pas, Isa. C'est pour les blessés. Putain, Jamel, il a un carton de partout. Non. Non, mais le mec, il est pas laissé pour sortir. Et si ça, c'est l'avocat, le barbier. Moi, j'ai attrapé le jeune, je l'ai amené à lui et je l'ai donné, je lui ai fait donner de l'argent à lui. Parce que le mec, il fait une quête pour les blessés. Les données qu'il a récupérées, c'est l'avocat de l'Arsène. Mais après, je cherche même pour faire des lives ou même. Mike, je vais lui dire bien que les documents. Ouais, non, mais on va le dire, est-ce qu'il y a de la... Là, le jeune... Eh les gars, il y en a qui vendent des autocollants RIC, hein, sachez que c'est gratuit. Hein. Donc si on voulait vendre, ne les achetez pas. Hein. Voilà, on en a des cartons pleins, tout le monde en distribue. Donc il n'y a aucune raison de les vendre. Combien? Non, les vendent 50 centimes d'euros. Ah ouais? Donc faites attention à vous. On va sur les marches. Bah après, il y a la rage, je sais pas encore quoi faire. Non, ça va aller, Mich. Ouais, t'inquiète, je t'appelle. Merci, donc je vais aller sur les marches. Voilà, Jérôme, c'est l'avocat là. Ouais, je vois, c'est qui je vois. C'est lui qui l'a. Capitaine Haddock. Jérôme. Dis-moi. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Là maintenant. Quoi, pour les internautes. La thématique de notre manifestation, tu vois. L'injustice fiscale. On est chez ceux, c'est qui les mis là le pognon. Donc on arrête de plus faire les fonds de poche. Parce qu'au final, eux, ils bénéficient de lois qui leur permettent de défiscaliser, d'avoir des niches fiscales. Au final, tu t'aperçois de quoi? Plus t'en gagnes, moins t'en payes. Mais nous, chez nous, moins t'en gagnes, plus t'en payes. Donc essayons de rétablir la balance. Si on en a moins, c'est parce qu'ils en ont trop, en fait. Tout simplement, parce qu'ils ont tout un tas d'outils de défiscalisation, d'optimisation fiscale, ce qui fait qu'ils arrivent à détourner l'argent qu'ils devraient normalement redistribuer. Et le marché est énorme. Du moins, moins vivre la misère. Il est énorme. Si, bah, si, moi je vais arranger, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, Jamel, viens. Non. Là, si, tu parlais du pipeline qu'ils ont. Mais toi, t'as mon mail, tu me le. Que Total a mis en place avec le dictateur Xi Jinping. C'est un pipeline horizontal. Attends, bouge pas. Vous parlez aussi des consensus. Eh, hey, toi, t'es un mec qui marche tout seul, toi. Oh, salut. Quelqu'un qui a connu là.
Eh, vous connaissez ce mec-là? Attends, je vais voir s'ils te connaissent. Mais t'as une barbe, toi, hein? Bah oui, j'ai une barbe. Pourquoi t'as cru au poisson d'avril, toi aussi? Attends, moi j'y croyais pas, hein. Je croyais que c'était une fausse barbe que t'avais. Non, mais t'as cru au poisson d'avril? Alors, je tire dessus. Eh, si vous me dites qui c'est, vous le connaissez? Non. Vous connaissez lui, vous me reconnaissez? Non. Vous voyez toute la journée. T'as fait la bise. Moi, je connais pas. Ça va, toi? Ouais, t'as vu que l'argent des salariés et de la finance est bien protégé? Ça va? Hein? Vous êtes qui, monsieur? On est sur Maïsto, Sud Radio. Sud Radio, d'accord. Bah, vous êtes sur le Globe 777. Je suis une chaîne mini. Attends, je vais voir sur les marches. Tu viens ou quoi? Ouais, j'arrive. Oh, qui m'a appelé? J'entends mon blague. Ah, salut. Voilà, au cœur de la défense. Est-ce qu'il y a le pognon? Il y a 3000 personnes. Il y a là le pognon. Il y a 3000 personnes, par exemple. Ouais. Maintenant, on a compté. 10 000. J'ai bloqué à la chapelle. C'est je l'ai montré à toutes les chaînes, maintenant on va voir. Voilà Didier Maïsto. Mais je vois qu'il a du follower le garçon, il a des abonnés. Didier, une star, la star de Sud Radio. Côté toi, GG. Avec la 360. Comment ça, la 360? Elle tourne, elle filme partout là? Ouais. Non. Si. Mais ça donne quoi quand tu. Bah, yes. Ça donne quoi quand tu ressors le film? Attends, je vais te montrer ça là. Et ma fille, elle va à tous les manifs, tu sais, on en prend un peu, on va essayer de faire un montage après. Ouais. Ça va, tonton, quoi? Ça va? Eh, hey, tu verras Rémi, on en a fait des bonnes. C'est moi qui l'ai interviewé. Okay. Je l'ai dans la merde. Bon, alors BFM, ça va ou quoi? Vous n'avez pas embêté? Ça va la famille? Je sais pas s'ils ont fermé les 4 temps. Ils ont dû les fermer, je pense. Eh, s'ils ont fermé les 4 temps un samedi, tu sais même pas combien ça coûte. Là, c'est des millions. Après, ça coûte rien. Mais je sais pas, pourquoi ils laissent pas les gens faire leurs courses, pourquoi ils ferment. Eh, tout s'est bien passé. Tu vois? Connais pas de flic, putain. Tout ça, mon tonton, quoi? Ouais, j'ai pris une photo avec ma mère. Enfin, ma mère. Ah bon? Ouais, merci. Hein. Tu lui as fait plaisir au moins? Ouais. C'est bien. Ouais. Salut, mon ami, ça va? À la prochaine, camarade. Salut, tonton, prends soin de toi. Joli chapeau, garçon. Chapeau, il est jaloux. Ah, bah toi aussi, joli chapeau. Voilà, on arrive sur les marches de la défense. Ça va, ça va vous les gars? Ça va. Ouais, j'essaie de changer pendant que vous rentrez. Ça va les gars? Ouais, tranquille, portez-vous bien les gars. Comment tu vas? Je t'ai vu avant, mais t'étais trop entouré. Arrête! Ça va la famille ou quoi? Bonne la famille. Ça va tout le monde? Ça va et toi? Tranquille, quoi? Tranquille et toi? Super, la pêche, on est super. Là. Super. Ça fait plaisir cette image. Mais grave. Ah, les bourrés, on sort de la photo. Chaque fois, c'est pareil. Voilà, partagez cette image. Hein. On est là, là. Ça va, mamie? Eh, t'as kiffé ou quoi? T'as kiffé, mamie? Ça, c'est de l'anniversaire quand même. Hein. Tu t'en souviendras? Bon, fais attention à toi. Vas-y, tonton. C'est putain, c'est trop rapide. Mais en force, c'est bon. Merci à toi. Courage, Jérôme. Tu as pas entendu? Ouais, une photo, s'il te plaît. Vas-y, mon tonton. Ouais. Merci pour ce que tu as fait. Merci à toi, l'ami. J'ai rien fait tout seul, tu sais. Ah ouais, non, franchement. Ouais. Franchement, vous êtes là, les gars, parce que tout seul, je fais pas grand chose. Hein. Regarde, Jérôme. Ah, attends, je vais prendre une photo. Merci. Merci. Tiens, regarde, attention. Ah, pardon, excuse-moi.
Merci. T'as fait ton bon pub, Poto. Salut, Poto, ça va ou quoi? Continue. Hein. Tranquille, merci, toi aussi. Comment tu vas? Vas-y, cousin, là. Vas-y, là, fais-moi un petit truc, là. Un truc un peu plus brésilien, là, t'as pas? Un peu plus? Brésilien, là. Alors, tu danses, alors? Non, voilà. Je trouvais que ça manquait de bruit un peu. C'est quoi ton prénom? Antoine. Merci Antoine. Merci Antoine. T'as vu, il y a un drone. Où? Là. Il est où le drone? Là-bas, regarde. Ah ouais. Tu vas bien? Oui, ça te fait. Regardez cette image, regardez cette image, partagez-moi ça. Là où il y a de la danse, c'est sûr. Soutiens, Jérôme. Plus fort. Soutiens. Arrête de faire le con, toi. Partagez-moi ça, c'est magnifique. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Gilets jaunes, quel est votre métier? Yaou, yaou, yaou. Ah, j'en ai un bien, vous êtes prêts les gars, mais faut dire yaou. CRS, quel est votre métier? Yaou, yaou, yaou. CRS, quel est votre métier? Yaou, yaou, yaou. Encore une fois, CRS, quel est votre métier? Yaou, yaou, yaou. Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Voilà, la famille. Ouais. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué.
Didier. Regarde, Didier, j'en ai une pour toi. Regarde. CRS, quel est votre métier? Yaou, yaou, yaou. Elle est pour toi, celle-là, papa. Yaou, yaou, yaou. Regarde la radio, elle est pas mal, celle-là. Emmanuel Macron, oh tes yeux de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Allez, Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron. Voilà, ça c'est le pognon qui est là. Regardez, magnifique cette foule. Macron, on n'a pas peur, regarde le monde. On vient te chercher chez toi. Marseillaise, Marseillaise, Marseillaise. Marseillaise. Voilà, c'est une belle Marseillaise. Voilà, moi j'ai arrêté de compter à là, les gars. 10 000. Voilà, tiens, regarde. On a compté aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Attendez, attendez. Moi je me suis arrêté à là. D'accord, il y en a eu 4 autres contournés. Je les ai comptés à peu près à 1 mois. Voilà. Le jour de gloire. J'ai bloqué, après je suis passé à autre chose. Contre nous de la vie, les colors sont glauques. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Il est le fils de la égorgé l'office de nos campagnes. Et t'as vu la crème de traîneur. Le citoyen, formez le matériau, marchons, marchons. Je vous kiffe les gars, sur la vie de ma mère, je vous kiffe. Du bruit, hein, t'as pas, allez, allez.
j'ai des fans. Soulève-toi, Paris, debout. Soulève-toi, Paris, debout. Soulève-toi, Paris, debout. Il vient pas le président. C'est la première fois qu'un président vient dans une finale. Dictateur, Macron provocateur,
Macron, dictateur. Macron, dictateur. Macron, espèce de brûleur. Macron, dictateur. Eh, Cédric, il y a Radouké là, pas toi. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi. Paris, debout, soulève-toi. Pourquoi? Ils sont là les poteaux, ça commence à venir. On recule un peu. Poussez pas. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Poussez pas. Non, c'est pas ça. On est tous gilets jaunes. C'est un climat qu'on gueule. On est trop fatigué. Baissez-vous. Là, t'as sorti la petite cravate et tout. Faouzi, c'est pas grave, on leur rentre dedans. Je suis obligé d'appeler la dispersion là-haut parce que c'est la fin. Magnifique, partagez-moi ça là, c'est magnifique. Joue en mort, 3000. Ah ouais, t'inquiète pas. Salut, ça va? Ouais, putain. La petite cravate et tout, Jérôme. On va à la défense. T'as pas parlé? Non. Il y en a, il s'est tatoué hashtag la famille, mais après tatouage. Non. Je te jure, il a envoyé la photo Nathanaël. Je lui dis, dis-moi pas que c'est un vrai. Je fais. En tout cas, on dirait vraiment. Il m'a dit, si, je te jure, c'est un vrai. Un mec qui s'est tatoué hashtag la famille. Bonjour. Pour dénoncer l'injustice fiscale qui est en France. Ici, il y a des sociétés pour lesquelles on fait des lois pour fiscaliser, avoir des niches fiscales, et puis derrière, on vient faire marquer les peuples. Donc, l'argent est dedans. Donc, si on veut faire vivre la France, il y a des lois, il faut dire. C'est nous qui payons, ceux qui ne payent pas leurs impôts. Alors, là, c'est ceux qui payent leurs impôts. C'est important d'être là aujourd'hui. Oui. C'est très important de manifester, c'est très important de venir dénoncer tout ce qui va passer. Voilà notre plan. Il va l'avoir dans le plus bientôt. Ah, c'est la thématique du jour. Symbolique et démarre. On a toujours une nouvelle année. On est beaucoup des thématiques. Celle-ci, par exemple. 6 mars 2016. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez. Oui, je sais qu'on va tuer. S'il vous plaît, écoutez-moi un peu d'attention. S'il vous plaît. On voit la mort. Donc,
En tant qu'organisateur de la manifestation, toutes les choses bonnes ont une fin. La relève est là. Il y a une salade maintenant, dedans. Trader. La manifestation se termine à 17h30, déclaré. Il n'est pas 18h là. Mais c'est 18h la manif, non? Non, 17h30 apparemment. Eh, on le sait quoi? Ça va taper. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont gazer. Oui, c'est l'heure. Ils vont gazer. Bien sûr. Eh. Et en plus, t'as vu, c'est en hauteur, donc ça va partir. Les mecs, ils perdent un poignet de fou, là, faut qu'ils jouent. On va arriver à la victoire de nos revendications. Jérôme. Pas de soucis, ma chérie. On va s'appeler pour essayer d'organiser un truc à Romilly. Romilly, je suis dispersé, je crois. Alors, je sais pas encore, elle est passée cette journée. Et la journée n'est pas finie, on me dit qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Hein, déjà, je vais aller pisser dans 5 minutes. Après, je te dis. T'as dit quoi? T'es venu à la manif, quoi? On est là. Attention, il y a des vélos, mec, derrière. Eh, les gars, faites gaffe, il y a des têtes d'affiche. Pas le malin, ça. Eh, tu fais quoi? Ça vous dit de faire pour rien. Oh, Carole, c'est bon. Alors, t'as plus cher. Bah, en train de. Fais gaffe, marche pas sur la pousse parce que tu prends une amende aussi. Le mec, il change la pousse. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Attends, je vais dire au revoir aux amis. Voilà, les amis, on était là. À la défense. C'était génial. Hein? Maintenant, fin de journée, appel à la dispersion. Filou, il a dit qu'il avait la chiasse. C'est pas moi. C'est lui. Non, c'est lui. Bon, oubliez pas ma quotidienne lundi soir. Lâchez celle de Mike. Je prends le relais. D'accord. La quotidienne des Gilets jaunes. Lundi, vendredi, 21h, 23h. Il dit que des conneries. Venez chez la mienne, c'est 18h, 20h. C'est pour les papis. Voilà, la famille. Je vous dis merci. Je vous fais un gros bisou. Et bah, à très vite. Et on lâche rien. On lâche rien. Ah ouais, je vous rappelle, hein. Ah merde. Voilà. Il y en a deux dans la manif. Ça, c'est le chiffre du jour. Donc, faites-vous plaisir. Relayez-le. Je sais plus parler. De toute façon, j'ai plus de voix. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à plus tard. Pourquoi? Ah oui, Castaner, non, attends. Ah, zéro. Alors ça, c'est le chiffre de Castaner. Hein. Voilà. Ah oui, on a oublié, là. Il a séché les cours de maths. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que la première revendication, ce sera cours de maths pour le gouvernement. Les uns. Ouais, putain, les vieilles, celles-là. Moi, j'aime manger épicé. Alors, j'aime quand tu mastiques. Voilà, la famille, je vous fais un bisou, je vous dis à très vite. Et on lâche rien, la famille.